Simple qui accuse Valve de lui avoir volé le top 1 mondial. Bonjour à tous les cafardinos, merci d'avoir cliqué sur cette nouvelle vidéo. Mais avant ça, une petite intro pour mon site internet malexcsgo.fr avec une refonte design de la totalité du site avec une nouvelle boutique internet, les configs classés par ordre de prix. Bien évidemment, si vous avez des questions au niveau des FPS, que ça va vous apporter, etc., n'hésitez pas à me solliciter dans les commentaires. Les souris toujours rangées par catégorie de prise en main, claw grip, fingertip, Palm Grip, le forum où vous pouvez rechercher des coéquipiers, que ce soit sur CSGO, sur Valorant ou sur d'autres jeux, tout simplement, ça s'adresse à la communauté francophone, donc n'hésitez surtout pas à poster dessus, et des nouvelles catégories inédites, je vous laisse découvrir ça, c'est en description, malexcsgo.fr. Maintenant, on va parler de quelque chose qui va nous fâcher tous, hein, je pense. Simple qui accuse Valve de lui avoir volé le top 1 mondial. Je ne sais pas si vous réalisez, Simple a dit, hein, il s'est laissé aller un peu sur le stream avec un grand seum. Donc je vais vous play la vidéo, hein, on va vous play ça tranquille, tranquille les gars, hey, calmez-vous, je vous vois là, calmez-vous. Hein, tranquille les gars, buvez un peu d'eau, venez, on va s'hydrater, faut personne s'étouffe, parce que là, je pourrais clairement être ban Twitch pour tuerie de masse. Donc attendez, on va boire tous ensemble. Voilà, c'est bon, c'est passé. Voilà, tout le monde, ça, tranquille, on s'assoit tous ensemble, on va regarder la vidéo, parce que Simple, là, je l'aime bien, mais commence à nous prendre pour des cons. Allez, glou, on play la vidéo de Simple. Там есть, короче, такие турниры, как RMR турниры, как за выход на этот на мажор. Если у нас нам надо выиграть СНГ квалификации, то за них типа MVP не дают. А ему дало 3 MVP за европейские квалы. В итоге эти квалы ничего не решают, и они сделали новые квалы к следующему мажору. То есть я никак не мог получить все те же МВП, потому что... Нет, я не понимал, мне сказали, что это очень близко, типа, и... Alors, mon ami Simple, ce courageux. Меня и Valve, ну, за то, что так происходит, потому что за СНГ никакие МВП... Ла-ла, il est pas content. ...не даются. Why you bully Simple, my friend? Donc, qu'est-ce qu'il dit, le cochon, pour ceux qui comprennent pas l'anglais? Il dit, et c'est un peu vrai, honnêtement, c'est un peu vrai, dans le sens où on en parlait tout à l'heure du format major. Vous avez dit, pourquoi ils sont pas là Navi? Parce qu'en fait, Navi, ils ont un format CIS. Sauf que le qualification du major CIS, il n'y a pas de points RMR. Et donc, il n'y a pas de MVP pour ces tournois. Ça veut dire que Navi, en gros, ils ont gagné des tournois de merde contre des chicha players. Ouais, on va le dire. Moi, j'ai pas peur des mots. Il a gagné des tournois de Zub contre des nullards. Et il veut des MVP. Ouais, monsieur veut des MVP. C'est le Pelé de CSGO. Voilà, il veut mettre des buts dans son jardin et il veut les compter dans son petit carnet de professionnel. Voilà, je vous le dis. Il veut son tableau de chasse. Donc, voilà, c'est ça. Je l'ai préparé. Donc, le monsieur veut que... Bon, c'est des tournois quand même d'un bon niveau, on va pas se le cacher. Il y a quand même pas mal d'équipes. Faut les gagner quand même, ces tournois. Et donc, en gros, Navi font des tournois un peu en dessous dans leur région à eux, qui comptabilisent les points RMR et tout. Sauf que en CIS, dans les pays de l'Est, il n'y a pas de MVP, alors que en Europe, les tournois que font Ziwu, etc., il a fait un peu des tournois T2 aussi, quoi. Enfin, ils ont fait un peu des tournois T2 aussi, Vitality, contre des Godsend, contre des Sprout, contre des équipes un peu comme ça. Et concrètement, bah, il a pris des MVP. Et à la fin de l'année, t'as Simple qui a, je sais pas moi, 4 MVP contre Ziwu qui en a 6. Sauf que sur ces 6, il y en a 3 qui, il dit qu'il y en a 3 que c'est de la merde, en gros. Les admins HLTV, ok, les admins HLTV qui font les classements et tout, lui ont dit, c'est pas de notre faute, aussi, hein, eux aussi, c'est des beaux salauds. Ils ont dit, ouais, c'est pas de notre faute, frérot, par contre, tu devrais un peu voir chez Valve, parce que c'est de leur faute. Parce qu'en fait, ils mettent pas de points pour ces tournois-là, donc en fait, quand tu éclates tout le monde dans ces tournois-là, bon, on s'en bat les couilles, on les comptabilise pas. Je sais pas si vous réalisez un peu ce que je suis en train de dire. C'est comme des joueurs de foot en Europe, leur but, ça compte et tout, mais dès qu'ils vont s'expatrier à Dubaï, en Chine, dans des championnats secondaires,
hein, en Amérique du Sud et tout, machin. Bon, on les compte plus, on comptabilise plus ce qu'ils font, ils sont plus sélectionnés en équipe de France ou ce genre de truc. Ça a du sens un petit peu, ça a du sens un peu ce qu'il dit. Mais je trouve que ça va loin, qu'il est un peu, il est un peu salé le monsieur. Il est un peu salé. Donc je comprends son point de vue. On dit que bah il est deuxième quoi, donc il a un peu le seum. Il y a un peu de logique dans ce qu'il dit. Et dans ce cas-là, voilà, il accuse Valve d'avoir donné le MVP à Ziwu, voilà, que c'est un peu fait exprès. Donc je sais pas, vous, qu'est-ce que vous en dites, honnêtement, franchement, est-ce que vous voyez un format européen, même quand il est en dessous, récompensé de points, de MVP, ce genre de choses, de statistiques, on va dire ça comme ça, parce que c'est l'Europe. Et genre les pays de l'Est, on s'en bat un peu les couilles parce que c'est les pays de l'Est. Parce que, enfin, les gars, pays de l'Est, il y a quand même du Virtus Pro, bah du Navi, du Hellraisers. Bah il y avait, non, ils sont plus russes, je crois. Mais bah il y a du Nemiga, il y a du Forze, il y a du Espada, il y avait Saiman, etc. K23 avec Chaos. Donc voilà, Team Spirit, Windstrike, enfin il y a quand même beaucoup d'équipes en CIS qui font un peu le taf du tier 3 quand même, mais ça reste du tier 3, alors qu'en Europe, quand tu joues un peu du tier 3, c'est du tier 3 qui fait mal, tu vois, c'est quand même des équipes, voilà, c'est des Heroic, c'est des Tricked, enfin à la base, Heroic viennent de là, mais c'est du Tricked, il y a quoi comme équipe un peu, attendez, laissez-moi aller regarder un peu HLTV, en tier 3 européen un peu quand même qualitatif j'ai envie de dire. Dignitas, ouais, Dignitas avec Forest, ce genre de choses, Extremum, ce genre de truc. Donc je sais pas, franchement je sais pas, mais très salé le monsieur. Est-ce qu'on dit qu'il est salé Endpoint, ouais voilà, ce genre de truc. Parce que bien évidemment que Vitality ont joué des tournois tier 2 entre guillemets, équivalent de niveau à ceux que Simple ont joué, où ils battaient des Sprouts, ils battaient des Forces et tout. Sauf que, bah, Ziwu prenait des MVP, et à la fin, on comptabilise celui qui a le plus de MVP, quoi. En gros, c'est ça. Donc, c'est de la rage ou il y a un peu de logique derrière. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a un peu de logique. Je pense que c'est un mix des deux. Il y a un peu de logique dans ce qu'il dit, et il y a un peu de rage aussi.